La mission locale intervient auprès des jeunes dans le cadre des métiers porteurs. Donc, dans ce cadre-là, le pôle formation fait partie des partenaires privilégiés puisque la métallurgie en particulier, l'industrie au sens plus large, donc fait partie des domaines qui sont recruteurs aujourd'hui de façon récurrente. Voilà, donc nous ne pouvons pas passer à côté d'un partenariat avec le pôle formation lui-même. La relation de proximité donc, nous permet d'avoir un suivi intéressant dans le sens où le pôle formation intervient à différents niveaux et nous permet d'orienter des jeunes sur différents axes, sur différentes actions, serait-ce que pour la visite des ateliers comme ici, pour découvrir un peu les plateformes, faire découvrir les métiers. Aujourd'hui, nous travaillons avec le pôle formation aussi dans ce cadre-là, de l'orientation, de la formation du public, de façon à essayer d'amener les plus jeunes vers une réflexion dans le cadre de leur formation en particulier. Les contacts donc avec le pôle formation nous permettent de mettre en place des ateliers en co-animation donc à la mission locale en particulier avec découverte des métiers et une animation autour de ces métiers porteurs. Travailler aussi sur l'orientation derrière en s'appuyant sur le dispositif régional qui est prépa apprentissage pour ceux qui ont besoin de travailler leur projet. On sent bien une volonté du pôle formation aujourd'hui d'aller vers les partenaires de façon un peu plus probante, encore plus qu'avant. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut accompagner ces publics vers une réflexion pour aller vers ces métiers-là.